Bonjour, je m'appelle Ramde Wendenda Donaye-Claverie. Je suis traductrice, interprète et également promotrice de la marque de cosmétiques capillaires Tone Health. Deux volets. Il y a le côté social, famille, tu es dans ton environnement, dans ton cadre. Mais il y a le côté qu'il faut voir, ce sont des langues qu'on étudie, des langues vivantes. Donc, pour mieux apprendre, il vaut mieux être immergé, d'être dans un pays de préférence anglophone, pour pouvoir mieux pratiquer la langue et être au contact de natifs. Ça permet vraiment d'acquérir plus. Étudier à Ouagadougou, c'est agréable, vu qu'on est dans son environnement, dans son quotidien. On a de la famille, on a des amis, on connaît déjà la ville, comment ça se passe. Donc, c'est plutôt facile d'étudier à Ouagadougou. C'est plus simple, évidemment. J'ai également fait des études en parallèle entre Ouagadougou et Cape Coast au Ghana. Donc, le point essentiel de faire ces études dans un pays anglophone pour le métier de traducteur-interprète, c'est qu'on est en immersion dans un pays où la langue officielle est l'anglais. Et également, on est au contact de natifs. On arrive à les entendre parler, ce qui développe l'écoute. À également être obligé de discuter avec ces personnes-là. Donc, on pratique la langue et on acquiert une certaine connaissance que forcément des cours théoriques à Ouagadougou ne peuvent pas nous donner. Je remercie la plateforme Le Grand Frère pour cette très belle initiative. Si à mon époque j'avais eu cette opportunité, je vois que je m'en serais mieux sortie et je voudrais vous encourager réellement à adhérer à cette plateforme, à la consulter si vous avez besoin de conseils pour l'orientation scolaire, des conseils pour le choix d'un établissement, si vous voulez également écouter des témoignages qui pourront vous aider à faire un meilleur choix. Le Grand Frère est la bonne adresse.